Depuis le 2 mars 2022, la famille Pernaut est en deuil. Particulièrement dévastée par la perte de son époux, Nathalie marque peine à sortir la tête de l'eau. Heureusement, l'ancienne Miss France peut compter sur le soutien de ses enfants. Mais ce lundi 5 décembre, elle ne parvient plus à cacher sa peine et encore moins sa colère. Alors qu'elle se rendait sur la tombe de son bien-aimé, la mère de Lou et Tom a réalisé qu'un objet avait été volé. Hors d'elle, la belle brune a pris la parole sur son compte Instagram. Sur la publication, on peut apercevoir un gros plan de la tombe de Jean-Pierre Pernaut. Si l'on peut y voir de nombreuses fleurs colorées, celle qui dit être en contact avec l'eau des là assure pourtant qu'il manque quelque chose d'essentiel. Que la foudre tombe sur cette personne qui a osé voler mon beau cœur sur la tombe de mon unique amour Jean-Pierre Pernaut. Quelle honte! Ça ne va pas lui porter bonheur, croyez-moi. A-t-elle fulminé en légende? Un message bien évidemment accompagné d'un emoji en colère. Dans les commentaires, de nombreux abonnés n'ont pas manqué d'exprimer à leur tour leur colère face à un tel acte. Aucun respect, si est-il grave, si est-il hallucinant de faire ça, tellement lamentable. Si est-il ignoble, courage à vous, peut-on notamment lire dans les commentaires.